Bien, je suis en plein soleil, là, sur une terrasse fantastique, donc en direct de la place de la Comédie. Car si vous avez un transistor, la modulation de fréquence, bien entendu, eh bien, c'est le rendez-vous qu'on vous donne en face, donc, de la merveilleuse statue des Trois Grâces, où va se dérouler, donc, dans quelques petites minutes, eh bien, cette première mondiale, car ça va être un concert instantané de musique numérique généré par la présence et le mouvement du public. Donc, public, on a besoin de vous. Où donc le groupe de recherche optique et acoustique vous convie à cette musique ovoïde. Avec Solveig Dehory et Jean-Robert Rossedano. Et Jean-Robert, dans un moment, je voudrais un petit peu que tu m'expliques ce qui va se passer exactement. Hein. Bon, alors je vais donner quelques éclaircissements. Sur la place de la Comédie, et plus particulièrement sur l'œuf, le public qui s'y trouve peut voir en ce moment des carrés blancs qui sont collés sur le sol. Le simple fait de se trouver sur un des carrés générera une mélodie, ou bien une basse, ou bien un rythme. Alors vous pourrez combiner tous ces différents éléments par le simple fait d'être dessus, et vous entendrez instantanément la musique que vous produisez en vous trouvant sur ces points blancs. À l'intérieur de l'ordinateur se trouvent différentes partitions, tout à fait conventionnelles, et qui sont lues seulement si une personne se trouve sur un carré blanc. On entend un journaliste maintenant, Jean-François Garcia, qui m'entend. Il va faire une symphonie à lui tout seul. On va demander à tous les autres de dégager les carrés blancs. Attention à lui tout seul, alors il va essayer. Regardez, il va passer, regardez, ça s'arrête puisqu'il y a pratiquement... Ah voilà, il est tout seul sur un carreau. Vas-y, change de carreau. Tous les autres, essayez de ne pas monter. Voilà. Uniquement le son produit par une personne. Musique en forme de poire, aussi c'est musique en forme d'œuf, hommage à Eric Satie.